Orientation des stations fréquences pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Les bonnes sur 1350 à vous tous, de 14 km 3301, opérateur Rémi, d'Andy 33 sur le sud-ouest, département de la Gironde. Il me semble entendre quelque chose dans le lointain, rien sur le web SDR, mais un petit peu de mon côté, encore je suis pas sûr. Et c'est peut-être du QRM, hein, je suis trois coups. Bon, attention les stations en fréquence pour le QS sur la CLA du canal 27, section sud-ouest. Ok, les rues, bonne 73, 51 à toi. Alors ce café, il était bon? Je sais pas, il y a du monde qui soit en moustache à côté du 275, je sais pas. J'ai de la moustache de mon côté, je sais pas qui c'est, mais c'est pas grave. On va finir par savoir, ou alors il va peut-être se signaler. Voilà, retour à toi Rémi. Ok, j'ai entendu quelqu'un, ouais, sur le web SDR. C'est soit Philippe ou Angèle, l'un des deux. Ok, bah j'aime bien voir, de toute façon là j'ai l'oreillette là de Calais là dans le fond là, dans le fond de l'oreille. Là, là sur le web SDR, là on verra bien ce que ça donne. Est-ce que Monsieur Pizza est dans le coin? Bon d'accord, il n'a pas encore été livré, ça doit être ça. Alors pour info, Ludovic de l'U33 nous a habitués à ce que tous les, je sais plus, vendredi soir ou samedi soir, ils se fassent livrer des pizzas hachées trois coups. Ok, Stéphane qui reprend. Ouais, je connais un petit peu, je fais pareil aussi moi des fois. Avec les Grecs, on fait pareil le samedi soir ou le vendredi soir, mais c'est surtout le week-end. Le samedi ou le dimanche, on fait pareil. Soit je les fais à la maison, mais ça arrive des fois qu'on les passe livrer aussi hachées. Hachis trois coups. Alors j'ai essayé de le titiller là, justement en l'appelant comme ça, mais bon, ça n'a pas marché. Bon, hier soir il a dit qu'il serait peut-être là ce soir, bon, on verra bien. Puis s'il n'est pas là, eh bien c'est pas grave. Ah, j'ai Eric qui m'a raconté que Ludo devait débrancher le web SDR par rapport à des travaux personnels chez lui. Moi je comprends très bien, hein, c'est normal. Hein. On a tous des choses à faire. On sait qu'il remettra ça en route et qu'il pourra. C'est vrai que on est sollicité. Moi, j'ai des amis à moi, même des copains, même des amis, je dirais, sur le département 86, sur le 59, sur le 81, qui m'entendent sur le WebSDR. Et quand je suis en fréquence, ils me disent dis bonjour à tout le monde dans le QSO. Voilà. Donc, ça sert beaucoup. Le WebSDR est assez bien sollicité, je dirais, sur le département 33. Voilà, c'est mon opinion. Ouais, je confirme. Et même au-delà des frontières. Car là, je suis certains autres groupes là, à l'étranger, là, du côté du Québec, par exemple. Et ça leur arrive hein, d'écouter un petit peu là, comment ça se passe de l'autre côté. Et c'est comme ça que, pour une petite anecdote, là, dernièrement, j'ai justement un OM, là, un Québécois, qui m'a demandé pourquoi ici en France on restait sur les fréquences supérieures alors qu'il y a toute la place de libre sur les 40 kilos. Et oui, j'ai pas trop su quoi répondre à ce niveau-là. C'est, on va mettre ça dans les coutumes, hachis. C'est vrai, Stéphane qui reprend, ouais, t'as tout à fait raison, c'est vrai que
Au départ, on était habitués aux 40 canaux. Toi, je pense comme moi, on est à peu près de la même génération. Et on est tous passés au sup, double sup, soit en sous double 1, mais bon. C'est vrai, dans les 40, moi je sais que comme toi, je pense que t'en fais aussi, comme tout le monde. On fait tous des contacts en FM. Moi j'en ai fait en FM, même en AM le mois dernier. En AM, bon, il poussait. Il parlait un peu français, c'était italien, je crois que j'ai eu des Allemands. Un petit peu français, c'est vrai, dans les 40 canaux, il y a des bons. Faut avoir l'écoute, hein. Faut être à l'écoute, faut pas non plus rester. Bon, il y en a qui vont rester 5-6 heures derrière. Bon, je veux bien, chacun fait ce qu'il veut. Je sais que des fois, en restant une heure ou deux, même une demi-heure, trois quarts d'heure, des fois, en tournant la molette, on arrive à faire des bons contacts quand même. On était dans les 40 canaux, hein. Voilà, retour. Ben, affirmatif. Ah oui, non, mais ça, là, tu prêches à convaincu, hein, surtout que quand je suis au QIRA, là, comme en ce moment, là, que je suis encore en vacances, ce que je fais, c'est bien souvent, toute la matinée, je suis sur les 40 canaux, et après, l'après-midi, ou assez souvent, la propag arrive, je bascule sur les sup. En général, c'est un peu ce que je fais, quoi. Et pour les 40 canaux, ce que je fais, j'ai mis en mémoire toutes les fréquences correspondantes aux 40 canaux, ce qui fait que je passe en scan, et là ça me dérange pas, hein. En gros je reste pas vraiment à attendre derrière, je suis juste un petit peu plus loin à bricoler là, sur l'ordinateur, et dès que j'entends un appel, oui je saute de suite sur la station, mais toi je reste en mode scan. Et effectivement, oui, je te confirme, il y a du monde, que ce soit au niveau local ou évidemment quand la propague est là. De mon côté, en local, là, j'ai découvert encore, là, il y a quelques entreprises hein, qui bricolent dessus, hein, puisque j'avais déjà repéré là, du côté du canal 25, du côté du 37, si je me souviens bien, et là, avant-hier, ah, j'entends quelqu'un derrière. Et là, avant-hier, c'était sur le canal 33 où justement j'ai entendu une YL. Et de la façon dont ça parlait, on voyait bien qu'elle était au PC et puis à discuter avec tous ceux qui gravitent autour. Ouais, je crois que c'est Philippe ou Angèle qui est derrière. Vas-y, la station. Bah, je sais pas. Il y a quelqu'un qui s'est signalé avec les bips en avant, bonsoir. Ouais, déjà, j'ai entendu très QRP, à moins que ça soit... Zut, comment c'est déjà... Xav. Attention, Xav, est-ce que c'est toi pour Dandy 33 qui t'appelle? Non, Xav, je crois qu'il est du côté de Gradignan. Et là, de ton côté, là, dans le trou, ouais, tu as Philippe, tu as Angèle. Oui, affirmatif. Ouais, on l'a eu en QSO. Il est venu en QSO cet après-midi. Il y avait moi, il y avait Eric, il y avait Coyote et il y avait Jean-Paul sur Saint-Émilion. Ouais, Xavier sur Gradignan. Ouais. Non, mais j'entendais mieux que ça. Hein. J'entendais beaucoup mieux que ça. Je sais pas. Je sais pas si c'est lui ou pas. En tout cas, bonsoir à la station. Si elle veut se manifester en avant, on est à l'écoute. Non, non, moi non plus, je l'ai entendu en même temps que j'étais en train de te parler, vu que j'ai le web SDR là dans l'oreillette. Ouais, c'est comme ça que j'ai réussi à l'entendre. Moi, je sais pas quelle heure il doit être 21h, je pense, c'est bizarre. Il n'y a personne qui vient ce soir. Ah, pourtant, moi, si tu as du monde, alors il y a du monde qui a l'écoute, on sait jamais. Je suis pas connecté là sur le web SDR, mais de ce côté-là, oui, j'imagine. Hachi. Et pour en revenir à la discussion, ouais, non, mais c'est sûr que leur raisonnement est tout à fait normal là, aux Québécois. C'est vrai qu'il y a énormément de place sur les 40 canaux. Donc effectivement, nos QSO locaux, quels qu'ils soient, DX comme AM ou FM, on pourrait très bien les faire sur les 40 canaux. Et puis, bon, quand la propague est là, ok, remonter à l'étage. Là, oui, ça serait dans la logique des choses. Ouais,
avec toi. C'est vrai qu'on pourrait y rester dans les 40 km. Moi, c'est que ça me dérange pas. C'est pas comme tout le monde, hein. On peut tous y être. Hein. On a tous tendance à monter de suite sur les sup parce qu'on sait qu'il y a un petit peu plus de gens à l'écoute. Ou... Ouais, c'est un petit peu ça ce qu'on pense. C'est tout ce que moi, je sais que c'est ce que je pense aussi. Et comme toi, je pense. On est tous habitués à monter là-haut parce qu'on sait que sur le 555 ou autour des 555, il y a du monde qui écoute. Et c'est vrai que dans les 40 km, il y a du monde. Moi, je sais que bon, bah, moi, ici, comme toi, tu. Bon, moi, je sais que sur. Moi, je suis sur la descente de Bouillac, hein, la grande descente de Bouillac en direction du pont François Mitterrand est derrière chez moi. Et bon, le matin, il y a beaucoup de routiers dans sa bloc la semaine, les Portugais, les Espagnols, les Roumains, les Bulgares, les Ukrainiens, il y en a pas mal. Et sur moi, ils mettent sur la moi, je tourne la galette, ça moustache un peu, je tourne un peu, je les trouve, quoi, ils parlent en langue. Mais des fois, il y en a qui parlent français, mais même plus loin, même des pays étrangers, des fois, quand ça veut passer, ça passe. Hein. Voilà, il faut avoir l'oreille et être attentif et bon, et essayer de rentrer dans la conversation avec l'OM si on veut bien. S'il veut bien nous laisser rentrer, c'est toujours pareil. Voilà, retour. Ok, merci pour le retour. Ouais. Ah, oui, le bip enregistré. Oui, je voulais dire, au niveau des habitués, oui, par exemple, tu as ceux de la Dordogne qui font la navette avec Bordeaux, là, sur le canal 15. Tu as les Charentais qui sont sur le 16, le 17. Alors, oui, tu as raison pour le fait là qu'il faut qu'ils laissent rentrer. Alors, moi, le truc que j'ai remarqué, c'est que eux utilisent plus la CB comme radio-téléphone. Donc, quand tu leur lances un break, bah, ils comprennent pas forcément. Et du coup, ils te font pas rentrer. Alors, j'ai fait plusieurs fois l'expérience. Je suis rentré comme ça, dans le QSO, comme si j'étais déjà, quoi. L'occasion s'est présentée, la dernière fois que l'occasion s'est présentée, c'est justement, j'étais en train de les écouter, c'était ceux du canal 15, oui c'est ça. Et ils étaient en train de parler de voiture, et justement celle que j'ai, c'est-à-dire un Duster. Et là, j'ai pris le micro, paf, j'ai donné mon avis dessus, ceci, cela, mais ça ne les a pas offusqués plus que ça, hein. Au contraire. Hein. J'ai pris le micro, j'aurais répondu, pour eux c'était tout à fait normal, ni même sans même dire bonjour ou quoi que ce soit. Alors là, j'avoue que j'étais un petit peu surpris, par contre après, je leur ai dit bonjour quand même, parce que je me suis dit c'est la moindre des choses. Mais non, c'est l'ancien break, pour eux, ça s'est perdu du langage chimiste. C'est pour ça que ça me fait penser que pour eux, c'est plus une utilisation radio-téléphone qu'autre chose. Ok, ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, pour le canal 15, j'ai écouté il y a deux jours, je crois, parce que j'étais en vacances, moi, cette semaine. C'est pareil, j'étais en congé, je reprends mardi le boulot. J'ai entendu, ouais, j'ai tourné la galette et j'ai repris la table des fréquences, parce que moi, vu que je suis avec un métrique, tu sais ce que c'est. Je suis juste au canal 15, j'ai regardé quel canal c'est. Ah, d'accord, il y avait une YL qui, pareil, deux routiers, c'était du côté des quais de Bacalan, à côté de la base sous-marine, et ils étaient dans les embouteillages, c'est pas ce que j'ai compris, voilà. Bon, je vais pas me faire plus long, il y a un break qui s'est signalé, en avant, 73. Oui, 73, vas-y, Rémi. Oui, c'est ce bip-là que j'entends depuis tout à l'heure. Les 73 au Luc de la part de Dandy 33, là ça passe très QRP là de mon côté, je t'écoute en même temps sur le web SDR. Achille et Luc, on triche tous à ce niveau-là. Chez lui, il a bien raison. Ça marche bien, c'est bien, bien efficace.
et on s'entend très bien. C'est moi de mon côté, je m'en sers aussi, comme tout le monde, hein, j'ai pas le caché. Hein, quand je suis l'ordinateur devant, parce que l'ordinateur n'est pas la radio, mais si il est à part, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Ça se fera un jour, je sais pas quand, mais bon, je peux me servir des portables, mais bon, quand je suis à la radio ici, dans la pièce de la maison, je l'ai pas. Il est de l'autre côté. Mais ça n'empêche pas que j'écoute aussi quand je suis sur l'ordinateur. Voilà, retour Rémi. Oui, enregistrer le break. Les 73, Eric, puisqu'on est là en début de QSO, tout à l'heure, c'est vrai que Ludovic a passé l'annonce en fin de QSO. Là, il n'est pas encore là, donc je vais le devancer pour rebalancer son annonce. Alors, les stations qui sont en écoute, Ludovic, Ludo 3, Dolu 33, c'est-à-dire 14 ODR 860, va mettre là prochainement son web SDR en stand-by pour cause travaux chez lui. Donc on sera privé de WebSDR durant quelques temps. Ça se comprend tout à fait, parce que quand on fait des travaux au QRA, c'est la poussière, c'est ceci, c'est cela. Donc si le WebSDR est en route et tout, là pour le coup, il risquerait de cramer le matériel avec toute la poussière qui pourrait aller dessus, quoi. Ça ne le fait pas trop. Ok, les 73, Eric, retour. Il a cassé les glaces chez lui, il y a trop de poussière. Oh, en plus, c'est pas gentil. Bonsoir tout le monde. Tous, Rémi, Thierry, Stéphane, je ne sais pas, j'ai l'habitude peut-être aussi, et si j'oublie quelqu'un, pardonnez-moi, mais j'arrive, hein. Donc 73 à tout le monde, et Rémi, tu fais tourner, tu me diras qui c'est qu'il y a. Eh ben, tu t'es pas trompé, ouais, t'as énuméré toute la liste. Luc, Stéphane, moi, Thierry qui vient d'arriver comme un boulet de canon. J'en ai entendu une autre station derrière, très QRP là au début, mais bon, c'était trop petit de notre côté, ou je sais pas, ou alors peut-être que c'était Luculu qui faisait des essais, je sais pas. Là pour le moment ça a l'air d'être tout. Je pense pas, je sais pas s'il y a eu Angèle ou Philippe qui s'est signalé. Là je sais pas trop pour le moment. Là on est au début de QSO là, Eric. Ok, mais ça va, 65 à tout le monde, mais vas-y, Stéphane, à toi. Ok, bonsoir tout le monde. On a en discuté un petit peu des WebSDR, des contacts AMSM ou ESB, voilà, par rapport aux 40 canaux. Mais Rémi et moi, on avait un petit peu les mêmes opinions, voilà. Moi, je sais que des fois, j'arrive à faire. Bon, moi, comme tout le monde, hein, j'arrive à faire des contacts AMSM, des fois, c'est sympa, moi, j'aime bien. Bon, c'est un peu plus pointilleux, il faut être un peu plus patient. Et être à l'écoute, mais bon, on ne peut pas rester non plus 24h sur 24 derrière le poste, on a tous des occupations de la vie familiale, ou du travail, ou du pro, et on ne peut pas être à l'écoute surtout. Mais des fois c'est sympa, moi je sais que j'aime bien, j'ai fait des contacts en AMSM, et j'en suis très content, voilà. Mais voilà, moi je renvoie le micro sur Lucky Luke, retour micro. Tu fais tourner Rémi, ok?
Ok. Est-ce que Dolu 33, Monsieur Pizza est là avec nous? Il n'a pas été livré encore, je crois. Il a glissé, je la connaissais l'olive dans la gorge. Allez, retour Thierry, Thierry, retour micro. Allez Thierry. Bon, ben il est parti. Bah, on tire Eric, hein. Eric, retour micro. Ben oui. Bah, rien de particulier depuis hier, hein, tu sais. Voilà, voilà. Bon, Rémi, j'espère que ces vacances vous passent bien. Oh putain, fatigante. Ah chi, putain, quand je pense que lundi je reprends en journée en plus, oh là, ça va piquer. Hein. Ouais, là je. Moi qui ai l'habitude de travailler la nuit, là ça. Ouais, ça va piquer. Ah, tu vas reprendre le risque. Puis en plus après, ouais, le week-end prochain je bosse, bah oui. Ah, j'ai entendu un bip, je. Attends, je relâche le micro, j'ai entendu un bip. Attends, je l'ai loupé. Hein. Oh l'enfoiré, il se revenge. Là, je me fous de lui parce que là, c'est moi qui est en vacances, lui au pro. Putain, il se revenge. Ok, non mais toi t'as pas droit aux vacances toi. Non, il faut que tu travailles pour les retraités là. Là t'as pas tout compris, tu es là pour bosser pour les retraités. Là pour leur payer leur retraite. Ah chie trois coups. Eh ben tant mieux, je suis content pour toi. T'as bien raison. Il faut prendre les sous là où il y a des sous. T'as, et moi qui réclame 200 heures par mois, mon patron, il veut pas. Lui. Ah, zut. C'est vrai que ça a un petit peu changé depuis maintenant, on a un peu plus de confort. Puisque c'est vrai qu'à l'époque, à chaque fois, on était dans la voiture et tout. Là, maintenant, pour ma part, partout où je vais, j'ai forcément tout le confort à disposition. Ah, les années Protec, tu vois ce que je veux dire? Ouais, puisque. Oui, tout à fait, bien évidemment. Alors, je ne voudrais pas trop citer de nom la radio. Là. Ouais, j'ai pas dit. Une partie. Ouais, non, mais j'ai bien compris. Hein. Ouais, allez, c'est bon. Pas rien, on aurait pu s'en rajouter. Hein. Moi, j'étais pas sur le secteur, j'étais sur le Cap d'Agde. J'étais sur BG, moi, j'étais rond
dit intervenant sur Béziers, ouais, surtout sur Béziers, quand j'avais les clés, la mallette avec les clés et les téléphones. Voilà, c'était un petit peu casse-pied, mais je l'ai fait quand même. J'ai bien aimé, c'était sympa, j'ai rencontré des gens sympathiques. Malheureusement, il y en a qui sont partis, ils sont plus de ce monde, mais il y en a que j'ai gardé en ami, voilà. Et moi, j'étais sur le Cap d'Agde. Voilà, c'est pas la même saison, hein. C'est pas du tout pareil. Hein. C'est sur le Cap d'Agde l'été, juin, juillet, août, oula, t'as de quoi faire. Surtout dans ce travail-là, voilà. T'as beaucoup de balades à faire, t'as intérêt à avoir des bonnes cartes. À l'époque, c'était le. Ouais, à l'époque, il n'y a pas 50 ans non plus, mais bon. C'était le début du GPS, c'était content de les avoir, les GPS, parce que quand on envoyait sur un site, pour trouver le site, oula, c'est un petit peu la cacophonie. Et on arrivait à se débrouiller entre nous, en principe. On se téléphonait, et c'était comme ça qu'on. Moi, je sais que je trafiquais beaucoup la nuit aussi, parce que je demandais à faire une nuit, parce que bon, j'aime bien faire la nuit aussi. Et on s'appelait beaucoup la radio, on servait les téléphones portables, mais la radio aidait beaucoup. Quand on allait sur un site, ou quand on surveillait quelque chose. Voilà. Je connais un petit peu. Bon, j'ai pas fait 50 ans non plus, j'ai pas fait 30 ans comme Lucky, mais bon, j'en ai fait pendant 5 ans, je crois, à peu près. Moi, j'entoure les fils de paye à chier. J'en ai fait pendant pas mal de temps. Ça m'a bien aidé dans ma vie. C'est un passage de ma vie que je regrette pas du tout. Au contraire. Voilà, retour d'Andy et tu feras tourner. Ok, ben pour ma part, tu vois, je suis là-dedans depuis 91, c'est-à-dire en même temps que la guerre du Golfe. C'est voilà comment j'ai commencé sur les chapeaux de roue. Hachi. Ah, ben dis-toi, j'étais au CCR à l'époque. D'accord. À ce moment-là, à côté, tu avais. Bon, ça y est plus maintenant, donc je peux le dire. Tu avais Motorola qui était juste à côté. Eh bien justement, on était oisés, on s'est touché, mais... Oulala, t'as oublié pas mal de choses, hein. Oui, je me souviens lors d'un visu qu'on en avait parlé, oui, c'est vrai. Eh oui, sur Cochon, on a reparlé ça, vous, hein. C'était juste à côté. Ouais, ouais, c'est ça. Avec les caméras qui déclenchaient quand il y avait des lapins qui passaient. Oui, oui, tout à fait. Oui, je me rappelle, ouais. Et Stéphane, t'avais le bon truc, toi, le Cap d'Agde, hein, qui... c'est là où ils font le salon du sexe. Ouais, il y avait le... on avait plusieurs sites. Il y avait le port à surveiller, parce que dans le port, des bateaux, des voiliers, des bateaux à moteur, il y en a qui s'amusent à piquer soit de l'essence, soit des pieds sur les bateaux, donc on avait des gens sur le site à surveiller le port. Après, sur le Cap d'Agde, c'est autre chose. C'était pas la même équipe, c'était un peu plus sélectionné. Et après, les campings, hein. Il y a beaucoup de campings là-bas. Bon, il y en a ici sur le bassin d'Arcachon, c'est sûr, qui a serré la canon, tout ça, tous les bords de mer, il y en a aussi. Mais sur le Cap d'Agde, Vias, Valras, par le 4, tout ça, il y en a. Enfin, par le 4 que j'ai dit comme bêtise. Vias, Valras, Béziers, toute la côte où j'étais, moi, il y avait beaucoup de Cap d'Agde. Voilà, c'était chaud tous les soirs. Et moi, j'étais sur un petit camping tranquille, moi. J'étais sur un petit camping familial. Je regrette pas. Et j'ai eu passé des moments que j'oublierai jamais. Ça, c'était sympa. C'était sympathique. Et après, il y avait aussi que je sais pas. Puis après, on a fait des films. On a fait un film. Puis après, on a fait plusieurs choses. Et moi, je suis revenu sur Bordeaux. Après, entre-temps, je suis revenu sur Bordeaux. Entre-temps, j'ai arrêté ce métier. Je suis revenu sur Bordeaux. Et bon, bah, c'est comme ça. C'est la vie. Allez, on s'y va. Il faut passer le temps et s'occuper, voilà. Allez, je t'envoie le micro.
je vais partir au 144, me reposer un petit peu. Voilà, retour Eric. Ok, pas de soucis. Juste une dernière chose là. Quand tu étais à Bombal, tu étais en tant que maître chien là-bas, t'as pas trouvé les gars qui étaient maître chien, qui étaient gourpins, Soudias? Non, ça me dit rien. Et elle était en poste justement là-bas, parce que moi je connaissais très bien ces frangins, quand j'étais avec mon mobile là-bas, qui étaient des potes à moi. Quoi. Et elle était dans la sécurité, notre chien. Ouais, ouais. Voilà, voilà. Non, mais écoute, je vais retourner le micro sur notre petit Stéphane, et je lui souhaite alors une bonne nuit, et puis sois mignon, ne mettez pas Patricia, laisse-la se remettre, et puis à plus tard. Merci du retour micro. Non, allez, on va se coucher tranquillement, gentiment. On regarde un petit peu la Victorine, je pense. Et demain matin, on peut se lever trop tard. En général, moi, 7h, 7h30, ouais, je suis debout. Soit sur internet, soit sur la radio, à faire de l'écoute ou autre chose. Allez, 73, bonne fin de Clisso et au plaisir de vous entendre. 73, salut Rémi, salut Lucky, salut Eric, salut aux écouteurs et puis salut Thierry. Je sais pas, il est parti, il avait peut-être autre chose à faire. Allez, 73 à tout le monde, bonne soirée, merci beaucoup. Salut Rémi, Rémi retourne micro. Ok, merci pour ton passage. Oui, les 73 à toi, allez, bonne nuit. Parce que là, j'étais parti pour continuer le QSO. Hachi. Les 73, Stéphane, merci, bonne nuit. Retour sur Rick. Ouais, 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 voilà, voilà. Sinon, ben, je pense que Ludovic, il est encore connu avec la pizza. Hein. Ouais, je confirme, je crois que là, il est resté collé dessus. Ah, j'ai entendu le cul derrière, désolé. Ouais, j'ai remarqué. Filtre levé. Là, je remets le filtre. Presque 3 heures.
ok, pas de soucis. Ouais, je comprends. Allez, à toi, Rémi. Ok, ouais, effectivement, bah, de mon côté, là, j'avais bien vu ce décalage. Ben bah, bon, je m'en fous, moi, je clarifie aussitôt dessus, et puis voilà, quoi. Avec qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais pas s'il y en a qui seront intéressés, mais le samedi prochain, il y a le rassemblement radio amateur et échange et démonstration et tout, organisé par le club F6KAP et le REF17 à la mairie de Périgny. Donc s'il y en a qui sont de ce côté-là, ça peut être intéressant pour eux. Moi, je l'avais annoncé hier soir, je me suis dit, tiens, allez hop, on va remettre une couche ce soir à Chitroaco. Et le REF 17, c'est eux en même temps qui organisent le centre marraine. Et de mon côté, j'attends qu'ils fassent leur assemblée générale pour avoir davantage d'infos. Bon, la date, on l'a, hein, puisque on la trouve directement là sur le bandeau là, de la page du site du REF 17. Donc ça, déjà, c'est un premier pas. Et bon, pour s'inscrire et tout, j'attends qu'ils mettent ça en ligne, voilà, tout simplement. C'est toujours pareil, le 8 ou le 9, non ? Alors c'est le dernier, REF 17, que je tape ça de suite. Voilà, je te dis ça là dans les secondes qui suivent. Alors c'est le 27 juillet, samedi 27 juillet. On voit la date d'afficher directement sur le bandeau là, du site là, du REF 17. Non, mais toi tu parles de marraine, moi j'étais à Radio Broc. Ah, Radio Broc. Attends, je relâche le micro pour aller rechercher. Ouais, je crois que c'est le 8 ou le 9, c'est le jour d'ouverture de la pêche. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai là? Ah, j'entends quelqu'un derrière. Non, là, c'est... C'est notre ami qui avait son livre. Ok, alors attends, il y en a qui vont rigoler, j'en connais un qui va rigoler derrière. J'avais pas les lunettes sur le nez, donc j'ai pas vu, j'ai atterri au mois de mai. Hachi, apparemment, alors activation, salon radio de Chenove, Radio Broc, oui, le 9, voilà c'est ça, le 9 mars. C'est le samedi, ouais, c'est en général c'est le jour de l'ouverture de la suite à chaque fois, ouais. Ok, ouais, bon, mais c'est pas impeccable. Ouais, et marraine, oui, c'est encore autre chose, ouais. Ouais, voilà, le marraine, bon, de toute façon, là, voilà, c'est pas compliqué, à chaque fois, c'est le dernier week-end de juillet, hein. Oui, c'est le 28 ou le 29, ou comme ça, hein. Le samedi 27, pour être précis. Ouais, là aussi c'est un samedi, ok, pas de souci. Hein. Voilà. Bon, mais le petit Lido, il a fini la pizza ou il va rester dans le calabour? Oh, à mon avis, je crois que la pizza, il va passer à la digestion directe après. Il est en panne. Et pourquoi il est plus en fonction? Je sais pas, je crois qu'il va jamais. Il est en panne. Non, ils ont une panne de... désolé Eric. Ouais, ils ont une panne dessus là qu'ils n'arrivent pas à résoudre pour le moment à distance. Voilà, c'est ça. Donc il faudra qu'ils aillent directement dessus pour voir le problème de plus près. Thank you.
Ah ok, ouais, puis dommage que l'OM qui s'en occupe n'est pas là en fréquence ce soir, puisque bon, là, il aurait pu nous donner plus d'infos. J'ai pas plus d'infos que ça. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du WebSDR de Ludovic, hein, quand on va. Attends, je vais aller là de suite avec la souris. Quand on va sur dans le haut de la page du WebSDR de Ludovic, là de Florac, hein, on a les deux WebSDR qui s'affichent. Un PMR 446 et l'autre VHF UHF. Hein. Et on va aller un petit peu ça. Autrement, non, j'ai. Ouais, effectivement. Ouais. Non, mais si ça se trouve, c'est une panne peut-être toute con, là, c'est-à-dire le PC qui est planté ou quelque chose comme ça. Voilà, il suffit qu'il y ait une panne de courant là où est placé le WebSDR. Et ben, évidemment, le PC derrière, il ne va pas redémarrer tout seul. Ça se trouve, c'est peut-être tout simplement un truc à la con comme ça, quoi. C'est vrai que puis en plus de ça, là, on est en train d'arriver à court de baratin. Et moi, c'est pareil, j'arrivais à plus trop savoir quoi dire ce soir.
Là, je commençais à être un petit peu calme, on va dire. Donc moi, c'est pareil, hein, je passe QRT. Demain matin, je ne savais pas trop. On verra bien s'il y a du monde. Là, j'ai un doute. Là, franchement, à mon avis, tout le monde va être occupé de son côté, je suppose. Ou en train de faire la grasse matinée. Là, on ne va pas rentrer dans les détails. Ah, chi. Donc, j'envoie les bonnes soirées 13-51. Bonne nuit, bon dimanche. Luc, pareil, les bonnes soirées 13-51. Bon pro à toi et à la prochaine. Ça marche. Bonne nuit et bonne bidouille. Salut 73 à tous, bye bye. Ok, d'accord. Voilà, Eric a passé en QRT, moi c'est pareil, là je passe en QRT. Des bonnes 73, bonne nuit. Chairman, Law explained hastily. I'm accountable to the party and the people for your safety. I simply can't take chances in your case. None at all. Mao sneered at the idea. That's absurd, he said. You could be killed by an air raid in your own room, or the house might collapse on you. Là, ça filtre bien, là. Seeing it would be pointless to go on arguing, Law left him. On dirait que ça filtre mieux sur les bandes basses. Oh.
Over. Go, America 5, go, America 5.